Et bonjour à tous, c'est l'ami Fob à l'appareil, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, merci de le demander. On se retrouve sur Darktide. J'en fais pas mal en ce moment, je sais, mais c'est parce que j'aime beaucoup ce jeu et qu'il y a eu plein de mises à jour. On va faire de l'Auric Maelstrom, comme d'habitude. Et on a Terre de Chasse, Bénédiction de Nurgle. C'est pas le truc le plus dur. Je joue avec le Psyker, je joue avec les petits couteaux et la bubule. Et la rapière et le bâton un void. Et on va aller voir ce que ça donne. Le Maelstrom là est beaucoup plus. Ok, le mec s'est barré. Le Maelstrom est beaucoup plus facile que celui que j'avais avant, c'est dommage, hein, parce que. Que celui de moi j'aime bien, plus c'est dur, plus c'est intéressant. J'aime bien le Maelstrom où il n'y a que des blindés sur la carte, c'est très difficile. J'aime bien où il y a plus de spéciaux, les spéciaux se transforment en boss avec une vague de mutants par exemple, ou une vague de chiens, j'en sais rien. Mais j'aime bien ces modificateurs compliqués. Celui que j'avais tout à l'heure est compliqué malgré. La game elle a échoué, hein. Ça fait un peu chier, mais bon. C'est pas grave, c'est le but, hein. Le Maelstrom c'est vraiment vraiment très difficile. Hein. Il n'y a que les très très gros joueurs qui disent non non ça va, c'est facile. Plus c'est dur, plus c'est intéressant. Titre, effectivement. Effectivement. Donc ouais, il n'y a que certaines rares personnes hein, qui trouvent le Maelstrom trop facile. Dans l'ensemble, suivant les modificateurs, c'est quand même bien 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 chaud. Allez, on a un zélote avec un lance-flammes, un vétéran avec un casque de la bêta. On a deux zélotes en fait. Ah, je rigole puisque dès le début, bah oui. Ouais, t'es parti tout seul devant, t'as de la chance de pas perdre plus de vie que ça. Ouais, totalement raté. Il est le chien. Mais viens d'où le temps quoi? C'est le dingue ça. C'est sale quoi, le petit mec qui arrive de derrière, comme ça. Totalement abandonné derrière avec tous les tireurs. Du coup, je vais faire comme eux, hein, je vais avancer. Quand ils réaliseront qu'il y a plein de mecs derrière. Oh, des stimulants de dégâts, ça peut être bien ça. Ils
cette merde qui vient me taper dans le dos. Ah mais je me faisais taper par un shotgunner depuis tout à l'heure là-bas quoi. Ok. Bon, je vais pas tuer celui-là. Pas bien. Wow. C'est fou, y'a rien et tout d'un coup. C'est limite ça, on est d'accord? Vache. My dream, not for you!
Ouais, les barils qui pètent, c'est un peu le bordel. Non, je vais exploser. Ah, ça m'arrive trop souvent, hein. Je joue trop sur le critique. Non, oh, c'est chaud, c'est chaud. Non. Oh là 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 là. Ça va me tuer en plus. Oh merci. Là. Ah mais quel bordel. Brownie là il se gave avec son zélote hein. Merci. Qui te font licher quoi. Tranquille. Allez, on se soigne, on se casse. Putain, viens là. Oh, c'est le boss, le nouveau boss. Wow. Oh.
Putain, mais... Ok, super nouveau boss intuable apparemment. Hein. Perds la horde derrière moi quoi. Pas pour m'aider. Ah, le petit vol du chien. Fini, oui, quel bordel. Ils vont très très vite en tous. Ah putain, les mecs qui sont derrière ici. Pas mal. What? C'est le sniper qui a tué son pote? Non. Ah, sérieux quoi, depuis tout à l'heure j'essaie d'esquiver. Pas ma game, hein. C'est pas foufou ce que je rends. Un sniper qui était pile dans l'angle à la con. Salut Bitume. Ah
Qu'est-ce qu'ils font comme dégâts, c'est incroyable quoi. C'était moche. C'était moche. De venir ici. De gunner quoi, mon bouclier tient même pas. Oh, c'est infernal ce tireur qu'il y a partout. Oh, sérieux? What? Il vient de se passer quoi là? Ok, ça m'a. Ouais, ça m'a tué alors que le mi-temps me tuait. Ok, ok, ça se tient. Pas très grave en soi. Ouais. Bon, oh, allez là. Je vais jamais à la gauche ici.
Oh là là là, quel bordel. Et puis surcharger en même temps, ouais, c'est un petit peu ça. Je vais tirer. Allez, on change d'aile. Non mais les grenades elles sont gold quoi, honnêtement. Ouf, et bah c'est le GG, enfin. Putain, ça aurait eu du mal cet après-midi. Ah putain, ouais, il était chaud le brownie. Ouais, merci pour le GG. 516 600, on a qu'à plus d'1,5 million de dégâts, c'est énorme. C'est énorme. Bon, bah ça aurait été un après-midi moyennement rentable, on va dire, dans le sens où il y a une game qui est magnifique avec le Grino bouclier en premier. Après j'ai galéré avec le Zilote, si bien que j'ai passé, que j'ai fait du vétéran. Le vétéran s'est plutôt bien passé, mis à part qu'on est mort à la fin à cause d'une erreur de la team. Et le Psyker là qui s'est plutôt bien passé. Donc un après-midi en soi plutôt raisonnable. On peut pas toujours gagner, hein, surtout quand on fait de l'Euric Maelstrom. Voilà, ça va être là-dessus que je vais m'arrêter pour ce dimanche 10 décembre. N'hésitez pas une fois de plus à me faire des retours sur le micro, voir si c'est pas assez fort, trop fort, si c'est mauvais comme qualité de son, etc. Voilà, vous me ferez des retours sur les vidéos YouTube. Sur le stream, j'en ai eu pas mal, merci. On va virer cette gnognotte. Ah non, j'ai pas cette bénédiction. Hop. C'est pas ce que j'utilise. Troublant, tripost, non, j'ai pas carnage. J'ai pas carnage, donc tout va bien. De toute façon, j'ai encore celle-là au pire à monter. C'est quoi que je pêche? Ouais, elle est un peu plus équilibrée. Après, ici, je crois que j'ai tout ce qui est... tout ce qui est intéressant, donc... Tout ce qui est intéressant, pardon. Donc ça va être difficile de avoir une arme aussi parfaite sur celle-là, même si celle-là, les stats sont meilleures. Ok, bon bah du coup, comme je le disais, on va s'arrêter là pour l'enregistrement YouTube. Merci d'avoir suivi toutes ces vidéos. Perso, le micro après réglage est nickel. Et ben parfait. Et puis, bah, merci d'avoir regardé sur le stream. Merci Pen d'être passé comme d'habitude. D'avoir passé plutôt l'après-midi avec moi. Merci Bitume d'être passé. Sans doute qu'on se retrouve tout à l'heure pour du Dark Tide. Et puis, voilà, merci à tous ceux qui sont passés, qui m'ont soutenu. Dimanche prochain, je vais stream Seven Days to Die, hein, c'est sûr et certain, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc j'annonce tout de suite, dimanche prochain, Seven Days to Die. Voilà, voilà. Et puis ce sera tout. Merci d'avoir regardé. Bon dimanche à tous, ou bon jour, quel que soit le jour qu'il est quand vous regardez les vidéos YouTube. Et puis, à tout bientôt. Allez, salut, salut.